Salut à vous, aujourd'hui deuxième opération coutellerie. J'ai fait un petit dessin sur ma chute de scie circulaire. Voilà, donc je vais découper ça à la disqueuse. Et puis ce deuxième volet coutellerie, on va essayer de faire beaucoup mieux. Le trempage, tout quoi. Allez, c'est parti! Voilà, donc là, on va passer à la trempe avec le chalumeau. Voilà. Donc l'objectif est d'atteindre une couleur orange foncé, cerise, quoi. Donc voilà, chaud mais pas trop chaud. Et ensuite, de le tremper pour le refroidir. Je passe maintenant sur une partie qui n'est pas franchement la plus drôle. Poncer la lame donc avec du papier de verre mouillé, avec différents grains. C'est une partie assez fastidieuse. Il faut frotter pendant des heures et des heures et descendre de grain en grain. Donc franchement, je m'y suis repris à plusieurs fois, même en plusieurs jours, pour essayer d'atteindre quelque chose de correct. Bien sûr, hein, je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin pour avoir un rendu encore beaucoup plus propre. Donc là, les photos, c'est pas le rendu final, hein, je m'y suis remis encore après, quoi. Et voilà, c'en est terminé pour le couteau. Franchement, je me suis encore régalé, hein. C'est vachement excitant de faire ça. Les amis couteliers et pros, merci d'être indulgents dans vos commentaires. Ce n'est que mon deuxième projet. Je pense que j'ai fait mieux. Ça coupe très très bien, largement ce qu'il faut. Donc je vous fais pas de démonstration sur les poils ou sur du papier. Parce que le couteau, pour moi, bah, il ne sert pas à couper des feuilles de papier ni des poils. Je vous mets une petite vidéo là à côté. Voilà ce que moi je fais avec.
Donc pour la pêche, ce sera idéal. C'est très bien, je pense qu'il y aura d'autres volets, peut-être pas tout de suite, mais il y aura au moins un couteau de cuisine, et puis je pense une machette aussi. Voilà, donc le volet coutellerie. Ah, donc le couteau, le manche est bien, bien gros, bien massif, hein, forcément. Bah oui, je l'ai fait à ma main. Comme vous voyez, j'ai pas des mains de bébé. Donc j'ai une super prise en main pour couper le saucisson ou me battre avec un sanglier, ça va être le top. Donc voilà, non mais blague à part, c'est vraiment agréable de faire son couteau. Je vous invite à le faire. C'est super. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci, ciao, bye.